Good morgen, alle Iden. Nous sommes le lundi 25 Adar Bet 5776. Elle est Yisrael et le Nishmat Rivka Batsara Rachel Batsara et l'Irfoua Shlema à Yosef Shmuel Ben Pnina. Nous étudions Baba Kama Perikret Mishnah Bet. Zechomer Ba Adam Mi Bashor. She Adam Meshalem Nezek Tsar Ripui Shevet U Boshet. U Meshalem Dmei Vladot. Ve Shor Eno Meshalem Ela Nezek. U Patur Mi Dmei Vladot. Après la longue Mishnah d'hier, la Mishnah d'introduction du 8e Perek, alors vous avez droit aujourd'hui à une Mishnah relativement très courte et qui en plus de ça très simple dans la mesure où elle reprend des notions déjà apprises dans les chapitres précédents. On va rapidement les rappeler. Le but de cette Mishnah, c'est de comparer les cas où on condamne un homme à dédommager. Tandis que son taureau qui aurait fait le même, qui aurait causé le même dommage sera lui dispensé de dédommager dans un tel cas, d'accord? On fait ça dans les mots. Zechomer ba adam mi bashor. Telle est la loi plus stricte des hommes par rapport à celle des taureaux, d'accord? Chomer qui est chamour, qui est plus grave, plus stricte de l'homme par rapport au taureau. She adam meshalem nezek tsa'ar ripui shevet u boshet u meshalem Dmei Vladot, l'homme, lorsqu'il cause un dommage à son prochain, intentionnellement bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler encore, alors il doit lui rembourser, on avait appris déjà hier, 5 remboursements. Nezek, le dommage, c'est-à-dire le prix du corps dévalué. Tsar, la douleur qu'il a eue. Ripouy, il doit se soucier aussi de le guérir entièrement. Shevet, le chômage, le fait qu'il ne va pas travailler le temps de sa convalescence. Ou Boshet, et la honte. D'accord, le fait qu'il ait eu honte, qu'il l'a humilié en public lorsqu'il a causé ce dommage. Et de plus aussi, une autre notion qu'on avait déjà appris longuement quand on était au 5e Perek, au Meshalem Dmei Vladot. Lorsqu'un homme frappe une femme enceinte sans intention, on avait évoqué tous les cas. Lorsqu'il frappe une femme enceinte et qu'à cause de lui, cette femme avorte, elle perd ses embryons, alors il y a une halakha qui lui dit de rembourser le prix des fœtus au père de ses enfants, et lorsqu'il y en avait un, ou qu'il y en avait deux, il doit rembourser en tout cas le prix du fœtus, et on avait appris qu'il fallait calculer selon le marché des esclaves combien ça coûte un enfant d'acheter un embryon, de pouvoir l'élever ensuite, pour ensuite en faire un esclave, d'accord, tout a un prix, et donc l'homme, il doit payer à la fois ces deux chiouvim, c'est-à-dire payer à la fois les 5 tachloumim, les ektsari, puis shavet bochet, et en plus de ça, payer les dmei vladot, le prix des fœtus. Tandis que Veshor, et non Meshalem, est la Nezek. Lorsqu'un taureau cause un dommage, il ne paye que le Nezek, c'est-à-dire la dévaluation du corps. Ni le chômage, ni les frais médicaux, ni la douleur, la souffrance, la honte, ni rien du tout. Veshor, et non Meshalem, est la Nezek. Donc le taureau ne paye que le Nezek, que le dommage, le prix de la dévaluation du membre. Ou Patour Medmevladot, et il est complètement dispensé de payer, de dédommager le prix des fœtus. Voilà pour la Mishnah. Et on fait à présent le Barthénora, qui est aussi très court. Donc, Veshor Eno Meshalem El Anezek. On se rapporte sur la partie de la Seifa, lorsqu'on a appris que le taureau ne paye que le dommage, que le prix dévalué de l'homme. Dirtiv Ish Ba'amito Velo Shor Ba'amito. Dans le Pasuk de la Torah, on déduit tous les Tashlumim. Là-bas, il y a marqué, comme on l'avait déjà mentionné, Aïn tachat aïn, shen tachat shen, d'accord, petsa tachat petsa, kviya tachat kviya. Là-bas, il y a plusieurs cas, et de chaque mot, on déduit un tachloum spécial, un devoir de dédommager sur un certain plan, le chômage, et tout ça, d'afka pas le chômage, la douleur, en plus du dommage. Et alors là, il y a marqué là-bas, kacher iten ish. Iten mum ish ba'amito, un homme à son prochain, et on déduit du fait de l'insistance ish ba'amito, un homme envers son prochain, velo shor ba'amito, pas lorsque le taureau cause un dommage à un homme. Ou patour midme vladot, et aussi le taureau il est dispensé de payer les dme vladot, dirtiv ki natsu anashim, anashim velo shvarim. Le pasuk précise, lorsque dans la parasha qui introduit les dme vladot, le prix à payer des fœtus,
Kinatsu Anashim, lorsque des hommes se battront, se disputeront, et il y a une insistance de nouveau sur le fait qu'on insiste sur les hommes, et donc pas sur les taureaux. Précisons au passage quand même, lorsqu'un taureau, je ne sais pas si on l'a déjà précisé ou pas, lorsqu'un taureau cause un dommage à un homme, ou bien même à un taureau, ou même lorsqu'un homme aussi cause un dommage à un taureau, on ne paye jamais le chômage. C'est-à-dire, je m'explique, si j'ai fait une erreur, j'ai tué le taureau de mon voisin, alors je dois lui rembourser le prix d'un taureau. Maintenant, si concrètement, ce voisin met 2 semaines pour pouvoir acheter un taureau, parce qu'il y a une rupture de stock, il n'y a pas... D'accord, on ne réussit pas à en trouver des taureaux pour acheter, à cause de ça, il n'a pas pu labourer, il a dû partir louer ensuite un taureau de quelqu'un d'autre, et il a eu des frais en plus. De tous ces frais-là, je ne dois jamais les dédommager. D'accord? Ça parce que je suis responsable de payer uniquement le nézek, le dommage. Il y a uniquement lorsqu'un homme cause un dommage à un autre homme, où la Torah nous a donné ses ruvim spéciales de payer le chômage, de payer toutes les formes d'indemnisation évoquées. Voilà pour aujourd'hui. Puisqu'on a fini la Mishnah très tôt, je vous propose de reprendre la Mishnah d'hier qui était assez complexe et longue. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, c'est là.